Bonsoir, c'est l'heure de Sans Tabou, votre émission politique, sans faux-semblants, sans retenue, sans questions inutiles. Ce soir, j'accueille une personnalité politique qui a longtemps résisté au mandat public pour rester dans le secteur privé, pour finalement céder et signer avec Gaston Flosse en 1995, puis avec Gaston Tantsang en 2010. Il est représentant à l'Assemblée depuis 2013. Il a été vice-président et ministre des Finances jusqu'en février dernier, où il a démissionné pour se consacrer pleinement à son mandat de sénateur. Ce soir, Nui Hao Loré est l'invité de Sans Tabou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir dit oui. Nous allons tout de suite nous installer dans le fauteuil de l'interview politique de Sans Tabou. Est-ce que vous êtes bien installé, Nui Hao Loré? Vous êtes bien? Très bien, c'est parti. Vous venez tout juste de rentrer du Sénat, où vous êtes allé défendre les dossiers de la Polynésie. Vous vous faites plutôt discret, d'ailleurs, depuis que vous êtes sénateur. On va en reparler. Nous allons revenir aussi sur votre parcours politique pendant 20 minutes, puis ce sera l'heure du débat autour de deux thèmes. Un que vous avez choisi et un autre que nous avons choisi. Face à vous, un allié et un opposant surprise, puisque vous ignorez pour l'instant leur identité. Vous répondrez à quelques questions Facebook et SMS au 7011 et puis ce sera l'heure de l'interview des 5 dernières minutes sur votre vie privée. Est-ce que le programme vous convient jusque-là? Ça me convient. Il y a une tradition dans cette émission, Nui Hao Loré. Avant de commencer, vous devez me dire si vous vous engagez à dire la vérité, rien que la vérité, si vous accepterez de répondre à toutes les questions que je vous poserai ce soir sans exception. Oui, absolument. Très bien. Alors, je vais lancer le chronomètre. C'est parti. Vous venez donc de rentrer de Paris. Vous avez passé 2 semaines au Sénat. On va reparler du budget de l'outre-mer que vous défendez tout à l'heure. Dites-nous d'abord si vous êtes un sénateur consciencieux. Parce que lorsque l'on regarde votre courbe d'assiduité aux séances 2017, vous y étiez en février et en mars, puis plus rien jusqu'en juillet, puis de nouveau plus rien jusqu'en octobre. Comment doit-on interpréter cette fiche de présence? Non, d'abord, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Sur ma présence au Sénat, avec ma collègue Lana Tetuanui, nous sommes présents chaque mois au Sénat et il y a un dispositif de contrôle de l'assiduité des sénateurs qui existe depuis 3 ans déjà. Et donc nous avons été assidus à toutes les sessions. C'est vrai qu'à partir du mois de mars de cette année, je n'ai pas été présent. Au mois de mars, avril et mai, vous le savez bien, il y avait des élections présidentielles, des élections législatives et il y avait la période de réserve parlementaire. Donc il n'y avait pas d'activité parlementaire. Donc vous avez été pris par vos fonctions ici. Et donc non, c'est qu'il n'y avait pas d'activité parlementaire à ce moment-là. Et puis j'ai repris mes déplacements à Paris au mois d'août, au mois de septembre. J'y étais il y a 2 semaines de cela et j'y serai probablement la semaine prochaine pour présenter le budget de l'Outre-mer en commission des finances, puisque je suis membre de la commission des finances. Avec je suis par ailleurs de rapporteur du budget de l'Outre-mer depuis 3 ans maintenant. Donc j'ai une assiduité qui est, de mon point de vue, très satisfaisante. Alors nous allons revenir sur votre histoire politique pour comprendre comment et pourquoi, surtout, vous êtes devenu sénateur. Vous avez d'abord été délégué à l'emploi dans le gouvernement de Gaston Flosse, puis conseiller technique dans le gouvernement de Gaston Tantsang en 2010. Vous travaillez pour le ministre de la reconversion économique de l'époque, Tevaro Frisch. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là de la politique, vous qui venez du secteur privé? Est-ce que c'est un monde dont vous vous méfiez? Non, je ne me méfie pas particulièrement de ce monde. Je sais qu'il y a une nécessité d'action publique. Je me suis engagé en politique, on ne peut pas vraiment dire en politique, mais dans l'action publique, effectivement, avec Gaston Flosse, j'ai été nommé délégué à l'emploi et à la formation professionnelle pendant 2 années. J'ai œuvré au sein du secteur public dans ce domaine. Et puis ensuite, j'ai accepté d'accompagner Tevaro Frisch, qui a été nommé ministre de la reconversion économique et du secteur des énergies renouvelables. Je l'ai accompagné dans ces domaines pendant presque 2 ans. Et donc, ça s'est bien passé. Et puis, vous l'avez fait naturellement, surtout, vous n'avez pas de méfiance. Non, j'y ai surtout rencontré des gens qui voulaient faire les choses bien, qui s'impliquaient dans leur métier d'élu. Et donc, je n'ai pas eu d'a priori négatif par rapport au monde politique. Votre père était un proche de John Tearicky, ex-président de l'Assemblée et député dans les années 80, qui était plutôt un indépendantiste comme Povana Oppa, pas vous?
Il n'était pas indépendantiste. Hein. Enfin, chacun a sa version des faits. J'entendais Oscar Temaru parler du mot Taïsien Tiamara, qui signifie aussi bien indépendance qu'autonomie. Donc, qui était autonomiste, qui était indépendantiste. Il n'y avait pas vraiment de mouvement indépendantiste à cette époque. Il y avait un nationalisme convaincu à l'époque qui voudrait dire indépendantiste aujourd'hui. Il y avait un nationalisme. Je pense que la plupart des hommes politiques de l'époque souhaitaient que les élus de la Polynésie exercent des fonctions et surtout aient leur mot à dire dans le développement économique de la Polynésie. Je pense que c'était essentiellement cette volonté qui transparaissait à cette époque. Vous avez refusé longtemps avant de signer votre vrai mandat public, le 17 mai 2013, au lendemain du retour de Gaston Flosse aux commandes du pays. C'est l'aventure politique qui débute pour vous à ce moment-là avec une mission de taille, redresser l'économie de la Polynésie française qui va mal. Vous y croyez à ce moment-là? On va vous écouter tout de suite. On est une équipe gouvernementale organisée avec qui nous travaillons depuis près d'une année et surtout une majorité solide à l'Assemblée. Ça n'a pas été aussi simple finalement. Vous travaillerez 1 an et 4 mois avec le président Gaston Flosse avant qu'il ne soit rattrapé par la justice. Il doit quitter ses fonctions de président et laisser sa place à Édouard Fritch. Comment cela se passe en coulisses au début? Est-ce que vous vous dites avec Édouard Fritch ça va bien s'enchaîner? Ou vous savez déjà que le climat de confiance entre les deux hommes va se dégrader à ce moment-là? On se doutait tous que les choses allaient être quand même compliquées parce que Gaston Flosse a l'habitude d'exercer le pouvoir pleinement et Édouard Fritch a été élu à l'Assemblée, président de la Polynésie, et comme tous les présidents, il a souhaité exercer pleinement aussi ses fonctions. Donc à un moment donné, il y a eu un clash. Ça s'est passé dans des conditions difficiles, mais ce que je retiens surtout, c'était pendant une période assez longue, nous n'avions pas de majorité. Et le président a su faire en sorte que les textes passent et que, surtout, nous ne retombions pas dans l'instabilité qui est la cause, finalement, de toutes les difficultés de la Polynésie. Alors, vous acceptez de travailler ensuite avec Édouard Fritch et de continuer donc d'être vice-président à ses côtés et ministre des Finances et des Énergies. Est-ce que vous vous doutez déjà de la suite des événements? Est-ce que vous imaginez que vous allez bientôt être banni du Tahuéra? Banni, non, je n'imaginais pas du tout ce scénario. Je savais que la situation allait être difficile avec un président de la Polynésie qui exerce pleinement son mandat et un président de parti politique qui a l'habitude aussi, lui, d'exercer le pouvoir pleinement. Et donc, je me souviens de cet épisode où on s'est tous retrouvés à l'Assemblée pour un face-à-face de l'ensemble du groupe qui a duré quasiment 7 heures, au terme desquelles le divorce était quasiment consommé. Et donc, à partir de là, les choses se sont accélérées, puisque avec Lana Tetuanui, nous avons, avec l'accord du président, souhaité être candidat aux élections sénatoriales. Mm-hmm. Gaston Flosse avait ses propres candidats, et donc on est allé au clash, à l'exclusion, et à l'exclusion de beaucoup d'autres, par ailleurs, et ensuite à la création du parti Tapura. D'ailleurs, Gaston Flosse dira à ce moment-là, c'est la plus grande trahison de ma carrière, hein, lorsque vous allez remporter les sénatoriales le 3 mai 2015. Est-ce que ce jour-là, vous avez tourné une page, clairement? Oui, quand même. Oui, quand même, parce qu'on s'était engagé avec beaucoup au sein du Tahuéra, parce qu'on sentait la nécessité de le faire à un moment où la situation économique et sociale du pays était catastrophique. Et c'est Gaston Flosse qui nous a convaincus de le faire. Donc, à ce moment-là, on a bien senti qu'on passait à une autre phase politique. Et moi, je l'ai considéré de cette manière, effectivement. Alors, vous avez à gérer d'un côté des turbulences politiques très fortes, avec un parti qui se crée, une nouvelle majorité qui se construit, et de l'autre, une économie à redresser, parce que c'était quand même votre première mission, l'économie de la Polynésie. Vous n'êtes pas dans une position très confortable. Est-ce que vous avez pensé à tout lâcher pour revenir à vos premières amours, c'est-à-dire au secteur privé? Non, non. Non, non. C'est vrai que c'était pas évident tous les jours. Beaucoup n'ont pas compris peut-être la rigueur que j'ai manifestée pendant cette période. Il fallait effectivement redresser les finances publiques dans un contexte qui était difficile. Nous avons acté un certain nombre de mesures en matière fiscale qui ont été acceptées par la population et c'est une bonne chose. Je pense qu'à cette époque, il aurait fallu proposer aussi des mesures pour réformer la protection sociale généralisée. Vous pensez comme Édouard Fritch qu'il faut une économie forte pour faire du social? Absolument, c'est une nécessité. On ne peut pas redistribuer l'argent que l'on n'a pas.
Alors au Sénat, vous faites remarquer dès vos premières interventions, et notamment au sujet de la DGA, où vous pointez du doigt face à la ministre de l'Outre-mer de l'époque, Georges Pollangevin, la baisse de la contribution financière de l'État. Vous l'aviez fortement agacé hein, ce jour-là à la tribune. Est-ce que vous vous en souvenez de cet épisode ? Ben, j'en ai agacé beaucoup hein, depuis 4 ans. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, avec ma collègue Lana, nous sommes intervenus de manière assez dure. Moi j'ai parlé de reniement. Parce que c'était la troisième année consécutive que la DGA, la dette du nucléaire, était amputée au titre de la difficulté budgétaire. On l'a indiqué dans toutes les discussions que la Polynésie participe à l'effort budgétaire, oui, évidemment, mais pas sur cette dotation particulièrement symbolique. Et donc, on s'est élevé contre ces baisses successives. Et je pense qu'on a eu raison, même si on l'a fait de manière assez dure, parce que finalement, le président de la République a fait son déplacement en Polynésie, et à ce moment, il a indiqué que cette enveloppe allait remise à son état initial. Donc on a gagné, ça a pris du temps, mais on a effectivement réussi. Vous avez provoqué les choses au départ. Vous êtes toujours dans le groupe du centre, le groupe UDI au Sénat. Vous n'avez pas rejoint En Marche d'Emmanuel Macron, une décision prise en concertation, on le sait, avec le président de votre parti, Édouard Fritch. Pourquoi ? Avec ma collègue, ça fait 3 ans que nous siégeons dans le groupe UDI, le groupe centriste au Sénat. On est respecté au sein de ce groupe. Je suis moi-même rapporteur spécial du budget d'outre-mer. Ma collègue Lana a la possibilité d'intervenir sur tous les dossiers importants pour la Polynésie. Je pense que c'est une question de fidélité aussi à ce groupe. On y travaille bien, on s'y sent à l'aise et donc on n'a pas vu la nécessité de changer parce qu'il y avait un changement qui se produisait quelques mois. Alors, vous êtes membre de la commission des finances, vous le disiez tout à l'heure, membre de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. À ce titre, vous êtes d'ailleurs le rapporteur, vous n'êtes que deux, avec le sénateur de Guyane, du budget des Outre-mer que vous allez présenter le 8 novembre prochain à la tribune. Sur quoi allez-vous insister ? Alors, c'est assez particulier parce que durant les deux derniers exercices, j'ai été assez dur dans mes présentations du budget Outre-mer, en pointant du doigt les insuffisances. Et pour la première fois cette année, nous avons obtenu gain de cause sur des choses qui nous paraissaient importantes, la DGA qui n'est pas modifiée, surtout la poursuite du financement de l'État, financement partiel au régime de solidarité. Donc c'est une enveloppe, c'est une dotation qui devait se terminer cette année et qui est prorogée pour l'année prochaine. C'est important pour l'équilibre de la PSG. Sur le contrat de projet où on avait noté des baisses significative durant les 3 derniers exercices, on a un réajustement. Donc on a obtenu gain de cause sur beaucoup de choses alors que la situation budgétaire métropolitaine est toujours difficile. Et donc pour la première fois, j'aurai une présentation du budget Outre-mer qui sera extrêmement positive. Je vais mettre les arguments d'attaque de ces budgets que j'ai pu utiliser les 2 derniers exercices de côté parce que ce budget, de mon point de vue, est relativement bon. Alors en Polynésie, vous avez démissionné, je le disais tout à l'heure, au mois de février dernier du gouvernement. Vous n'étiez déjà plus vice-président, mais encore ministre des Finances pour respecter la loi sur le non-cumul des mandats. Une décision qui aurait été encouragée par votre mésentente avec Thierry Alpha, le ministre des Ressources primaires. Vrai ou faux ? Ah non, j'étais avec Thierry Alpha à midi justement. On discutait d'autres sujets. Non, je devais quitter mes fonctions, comme vous l'avez indiqué, du fait de l'application de la loi sur le non-cumul des mandats. Ce qui c'est passé aussi à ce moment-là, et j'ai beaucoup réfléchi à cette question, c'est que mon successeur devra présenter, et il va le faire là, dans les semaines qui viennent, le budget 2018. Le budget se construit dès le mois de mars, dès le mois d'avril, et donc il était difficile pour moi d'imaginer commencer l'élaboration d'un budget que je ne présenterai pas et que mon successeur allait présenter sans en avoir été l'initiateur. Et donc c'est pour cette raison qu'en accord avec le président, j'ai choisi de mettre un terme à mes fonctions un peu plus tôt que le délai que la loi m'autorisait. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous ne communiquez pas davantage sur les dossiers comme vous venez de le faire ce soir, que vous défendez au Sénat, mais les Polynésiens, pas les politiques, hein, pas vos anciens collègues, eux, ils ont envie de savoir ce qui s'y passe au Sénat et quels sont les grands principes, quels sont les grands dossiers que vous y défendez. Est-ce que ça ne vous gêne pas de ne pas communiquer assez pour eux, en tout cas ? Alors, moi, j'essaye de communiquer en utilisant les médias traditionnels et je suis devant vous ce soir. C'est vrai que je n'utilise pas les réseaux sociaux. Je ne communique jamais sur Facebook. De mon point de vue, Facebook n'est pas un outil de communication politique. Au risque de passer pour un
un dinosaure de la communication, c'est un choix que j'ai fait. Et donc, lorsque j'ai des choses à annoncer, au moment où j'ai à les annoncer, bien, j'essaye de réunir une conférence de presse et je présente ce que j'ai fait ou ce que nous avons fait avec nos collègues parlementaires. C'est ce que nous avions fait l'année dernière avec ma collègue Lana Tetouanoui. C'est ce que nous allons probablement faire aussi dans quelques semaines. Mais effectivement, j'utilise pas les réseaux sociaux. Je sais que certains l'utilisent beaucoup. Moi, je le fais pas. Voilà. C'est un choix personnel. Vous n'êtes pas un Trump polynésien sur Twitter. On dit que les sénateurs sont les privilégiés de la République, vous le savez, en dehors des billets d'avion et de train payés et de l'excellente cantine du Sénat. Vous y êtes allé? Moi, j'y vais pas souvent. Vous allez surtout toucher une retraite après un seul mandat. Est-ce que vous avez conscience d'être ultra chanceux? Pour beaucoup, oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est le cas, c'est un honneur d'être au Sénat. Et donc, je ne vais pas cracher dans la soupe. Par contre, moi, je supporte assez difficilement l'avion. Donc, si je pouvais passer des déplacements tous les mois, je le ferai. Donc je m'y astreins, c'est tout à fait normal. Je sais que beaucoup nous voient comme des privilégiés. Je sais qu'il y a aussi une tradition d'anti-parlementarisme qui est très ancrée dans la société française et dans la société polynésienne. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'être présents au Sénat. Donc nous respectons les conditions d'assiduité et on essaye surtout de servir notre collectivité. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait au Sénat qui ne se voient pas, qui ne sont pas relevées. Nous ne faisons pas que participer à l'élaboration de la loi. Nous accompagnons aussi le président de notre collectivité lorsqu'il doit discuter avec les autorités de l'État sur différents sujets. C'était le cas au mois d'août. J'ai accompagné, comme certains de mes collègues l'ont fait, le président qui devait rencontrer la ministre de la Santé pour bien lui signifier la nécessité de proroger le dispositif d'accompagnement. Nous avons rencontré la ministre de l'Outre-mer et les parlementaires accompagnent le président. Donc c'est vraiment quelque chose qui dépasse le simple cadre législatif. Alors je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui font des petits calculs sur le nombre d'amendements qui ont été déposés et autres, mais réellement, le travail parlementaire est un travail qui est beaucoup plus vaste que celui-là. Si l'on devait retenir une polémique pendant vos années passées à la tête du ministère des Finances et de l'Énergie, ce serait sans hésiter celle qui vous a mis sur le devant de la scène médiatique face aux indépendantistes au sujet des tarifs EDT et de l'attribution du marché de Secosud, du sud de l'île de Tahiti. Donc, EDT l'a emporté en février dernier, on le voit sur ces images. Et là, vous avez eu à gérer les accusations de la représentante UPLD, Valentina Cross, notamment, qui a affirmé que vous favorisiez la société EDT. Vous avez déposé 3 plaintes en diffamation. Vous avez gagné en appel pour 2 d'entre elles. Reste celle contre Valentina Cross. La décision doit tomber demain, justement. Pourquoi vous a-t-on reproché cela, selon vous? Moi, j'ai considéré que j'ai été diffamé. Et donc, j'ai porté plainte. J'ai gagné en instance. Les personnes qui ont été condamnées ont fait appel. J'ai gagné en appel. Donc il y a un troisième procès qui a lieu. Et dans c'est parti de quoi? Vous pensez que c'est parce que vous dites que le gouvernement, que la Polynésie a besoin d'EDT? J'ai déposé ces plaintes parce que j'ai été diffamé. Et le tribunal m'a donné raison puisque les personnes ont été condamnées à me verser 200 000 francs de dommages et intérêts. Pourquoi vous a-t-on attaqué sur ce dossier-là? On a attaqué, c'est essentiellement Madame Cross. J'ai pas bien compris d'ailleurs pour quelle raison exacte, mais en tout cas j'ai trouvé que ces attaque était inacceptable et j'ai déposé plainte. Par contre, sur le sujet de l'énergie et sur la concession EDT, je rappelle que cette concession existe depuis 1960. Je n'étais même pas né quand cette concession a été signée. Ensuite, cette concession a été renouvelée à une époque où j'étais encore à l'école. Elle a été renouvelée pour se terminer normalement en 2020, puis en 2030. Alors, je sais qu'un certain nombre de gouvernements indépendantistes ont attaqué EDT en indiquant que les tarifs de l'électricité étaient trop élevés. Finalement, ce choix d'attaque de EDT s'est traduit, je crois, en 2009 ou en 2010 par une condamnation du pays à verser 1,8 milliard. Moi, j'ai choisi de discuter avec le concessionnaire. Et même si nous sommes en désaccord sur plusieurs points, et c'était le cas depuis 2014, on a essayé de faire avancer nos discussions, de changer la formule tarifaire, et tout ce travail a conduit à 2 baisses successives du prix de l'électricité. Moi, c'est ce que j'ai recherché pendant toute cette période où j'ai exercé les fonctions de ministre de l'Énergie, et surtout
En matière d'énergie renouvelable, nous avons proposé un plan de transition énergétique avec 3 grands axes, 50 mesures que nous avons commencé à acter depuis 2 ans. Et les choses évoluent. Je vais juste donner un exemple sur les véhicules électriques et les véhicules hybrides. Nous avons baissé les taxes et les droits que supportent ces véhicules. Et j'ai entendu le président du syndicat des concessionnaires nous indiquer il y a quelques mois que pour la première fois, les ventes avaient dépassé 10 ou 15% du volume des ventes de l'année. Donc c'est une réussite. Mais je vois aussi que il y a quelques semaines, le nouveau ministre de l'Énergie a proposé aussi des mesures pour faciliter l'installation photovoltaïque chez les particuliers avec une aide de 100 000 francs pour toutes les installations. Donc voilà un peu les mesures que nous avons proposées pendant ces plusieurs mois. On reparlera des énergies vertes dans cette émission. Puisque l'on parle justice, votre avis sur les gardes à vue d'anciens ministres, il y en a eu encore récemment. Quelle est votre vision de la justice, Nouri Haouloré? Pas très indépendante, c'était celle de votre ancien allié politique, Gaston Flos. Non, moi, je ne fais pas de commentaires sur la justice. La justice exerce enfin, les juges exercent leur métier dans des conditions qui sont difficiles. Et donc, voilà, je n'ai pas de commentaires à faire. Les élections territoriales approchent, c'est demain. Vous travaillez sur le programme économique 2018 du parti d'Edouard Fritsch, le Tapoula. Ça va donner quoi? Vous avez travaillé aussi sur celui du Tahuera en son temps. Oui, l'impression qu'on m'a repris pour ce travail. En fait, on a commencé à mobiliser des équipes, 11 équipes au total, sur différentes thématiques, des équipes avec des personnes qui viennent de la société civile, qui viennent de la fonction publique, des entreprises. L'objectif étant de proposer des mesures efficaces, pragmatiques, pour poursuivre le travail de redressement qui a été mené depuis bientôt 5 ans. Et les choses vont mieux. Bien sûr, tout n'est pas idéal, mais l'objectif est de poursuivre dans cette voie. Et surtout d'éviter de retomber dans l'instabilité qui est la cause de toutes nos difficultés actuelles. C'est la seule cause, l'instabilité? C'est la cause principale. Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous serez de nouveau bien placé sur la liste d'Edouard Fritsch pour être représentant? Alors ça, c'est pas à moi de répondre à cette question. On fait tout ce travail et normalement, c'est le comité politique qui devra définir qui sera sur cette liste et à quelle place. Une tâche très difficile. Nouri Haouloré, le temps est écoulé. L'interview est terminé. C'est maintenant l'heure du débat. On attend vos questions. Juste le temps pour moi de vous dire qu'on attend vos questions au 70-11 et surtout sur Facebook. Nouri Haouloré, est-ce que vous êtes prêt à découvrir qui a accepté de venir débattre avec vous ce soir? Absolument. Alors très bien, on y va. Suivez-moi. C'est parti pour 35 minutes de débat sur 2 thèmes. Le premier que nous avons choisi et le second choisi donc par Nouri Haouloré. Je vais d'abord remercier les 2 invités qui ont accepté de venir s'asseoir autour de cette table ce soir. Sandra Lévy-Agami, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentante Tahuera et membre de la commission des finances à l'Assemblée de Polynésie. Vous serez l'opposante de Nouri Haouloré ce soir. Et Gaston Tansang, bonsoir. Bonsoir. Représentant du groupe RMA à l'Assemblée, maire de Bora Bora, vous serez l'allié de Nouri Haouloré pendant les débats ce soir. Premier thème de débat, Polynésie française vers une économie plus autonome. C'est donc le premier thème. On commence avec cette question, Sandra Lévy-Agami, sur la participation financière de l'État. La Polynésie peut-elle croire à une autonomie financière en puissance alors qu'elle vit grâce aux 180 milliards que l'État, c'est une moyenne, lui verse chaque année? Alors tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Je pense que la question, il ne faut pas la poser de cette façon-là. Le statut d'autonomie détermine d'entrée que la collaboration doit se faire entre la Polynésie française et l'État. Donc vraiment, l'architecture de notre développement économique, l'organisation des relations qu'on peut avoir avec l'État, débute à partir de 1984 et de ce statut d'autonomie. Donc on ne peut pas dissocier l'État de la Polynésie française puisque la base même de notre statut d'autonomie organise ces relations. Gaston Tansang, vous avez, vous, choisi le partenariat avec le privé hein, pour la commune de Bora Bora. Cela fonctionne plutôt bien, très bien même. Vous avez de bons résultats. Est-ce que ce duo public-privé pourrait permettre, si on l'étendait à l'ensemble de la Polynésie, de développer davantage son économie? C'est d'autant plus vrai que dans le contexte actuel, les fonds publics ont du mal effectivement à lancer la machine économique.
Et le pays, grâce à notre ministre des Finances, Ni Hao, a su retrouver ses capacités d'autofinancement et se mettre effectivement à investir un peu plus dans le secteur public. Mais je crois qu'il faut absolument faire confiance au secteur privé. Et l'exemple tellement vrai de la commune de Bora, nous avons pu lancer les services publics à l'époque où les fonds étaient exsangues, publics, j'allais dire, des dispositifs d'aide aux communes. On peut dire aujourd'hui, si nous avons un service d'eau potable, d'assainissement et de déchets en place et qui fonctionne, c'est grâce à un partenariat public-privé, aussi bien au niveau de l'investissement que de l'exploitation. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être déclaré. Par rapport au privé ? Par rapport à l'implication et aux résultats financiers et budgétaires qu'on peut avoir aujourd'hui. Il faut savoir, quand on est arrivé en 2013 avec le Tahuir Ahuiratira, Nuihau Loré faisait partie de nos équipes. Et l'orientation qui a été donnée à l'époque par le président Floss a été de redresser les finances publiques. Donc je pense que M. Gaston Tongsong devrait remercier le travail réalisé de 2013 à 2014, puisqu'aujourd'hui, le nouveau gouvernement en place récolte les fruits de ces efforts financiers, de ces efforts fiscaux, de ces efforts budgétaires qui ont été opérés à l'époque. Nuihau Loré, vous récoltez les fruits du travail qui a été entamé, démarré, débuté avec Sandra Lévy-Agami et avec Gaston Floss. C'est la Polynésie qui récolte ses fruits. C'est la Polynésie qui se porte mieux aujourd'hui. C'est le secteur du logement social qui peut bénéficier de davantage de ressources. C'est la PSG qui retrouve un niveau d'équilibre qu'elle n'a pas connu depuis plusieurs années. Donc je ne m'attribue pas les bienfaits liés à ce redressement parce que c'est un travail collectif qui a été mise en œuvre par les représentants à l'Assemblée, par le gouvernement, par les gouvernements qui se sont succédés. Et c'est la population qui en retire les fruits aujourd'hui. Donc je suis tout à fait satisfait de cette situation. Nuihau Loré, vous avez donc été ministre des Finances jusqu'au mois de février dernier. Les recettes générées par la Polynésie ne sont pas encore suffisantes d'aujourd'hui pour une indépendance financière. 50 milliards pour le tourisme, ce sont les chiffres de 2015, 14 pour le reste des ressources. Est-ce qu'on peut imaginer vivre un jour sans être aidé financièrement par un grand pays, si ce n'est pas la France, un autre ? De mon point de vue, non. Je le dis clairement. Le PIB de la Polynésie avoisine 600 milliards. L'injection de fonds publics de l'État avoisine les 180 milliards, c'est quasiment un tiers du PIB de la Polynésie. Donc imaginez retirer un tiers des ressources de la Polynésie et se porter mieux, je n'y crois pas. Ce qu'il faut aussi bien avoir en tête quand on parle d'économie, d'autonomie économique, c'est la situation vraiment particulière de notre pays. On est un des pays les plus éloignés de la métropole, on est le pays le plus éclaté en termes de dispersion en s'étant sur un territoire aussi vaste que l'Europe avec des petites collectivités de quelques centaines d'habitants parfois, avec une population totale qui n'excède pas 300 000 habitants et dans ce contexte-là, il faut assurer des services publics de qualité en matière d'enseignement, en matière sanitaire, il faut accompagner l'emploi dans tous ces archipels éloignés et ça coûte extrêmement cher. Je ne sais pas si vous trouverez, madame, un seul exemple dans le monde de collectivité aussi petite qui doit exercer ses prérogatives sur un territoire aussi vaste. C'est ça la difficulté de la Polynésie. Donc est-ce qu'on peut le faire avec nos seules ressources ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut développer nos ressources ? Absolument, et c'est ce que nous essayons de faire depuis plusieurs années. Vous êtes d'accord pour dire qu'on ne peut pas avoir la possibilité en Polynésie de vivre seul sur un plan économique ? Comme je vous le disais précédemment, toute l'architecture de l'autonomie s'est mise en place dans le statut d'autonomie. Vous avez l'article 1er qui décrit l'organisation des institutions. Et bien évidemment, l'État est partenaire de la Polynésie française. Au niveau du Tahuir Ahuiratira, il n'a jamais été question d'une remise en cause de ce système. Et de facto, il a parfois été question d'une alliance avec les indépendantistes. Il a parfois été question d'intérêts communs aux Polynésiens au-delà de clivages politiques, c'est clair. Mais ce que je voulais dire à M. Nuihau Loré, bien évidemment que tout ça a été construit autour d'une architecture, que tout ça a été construit par rapport à une géographie très particulière. Et on peut remercier ce statut de 1984 qui organise depuis les relations entre le privé et le public, avec l'État, avec les communes. Et il est vraiment important qu'on continue à développer cette économie et développer surtout cette autonomie au service de l'économie.
l'économie. Quand j'entends, bon, je suis d'accord avec vous quand vous posez la question, est-ce que nous avons une économie autonome ? On tend à avoir une économie autonome, mais au départ, la définition, elle est déjà posée dans le statut. C'est que le statut doit tendre à une économie autonome. Et elle ne peut pas se dissocier, cette économie ne peut pas se dissocier de l'État. Donc, je ne vois pas l'intérêt de poser la question à savoir, est-ce qu'on va se séparer de l'État ? Est-ce qu'on va se passer de la contribution de l'État ? Parce qu'il y en a qui se posent la question, pas, ce n'est même pas envisageable. Pays, eux, se posent pas la les autonomistes, quand et, on est autonomiste. Il est possible qu'un jour on puisse on ne vivre peut pas, ce n'est pas possible en l'État actuel. Et ce n'est pas envisageable dans l'organisation même de l'autonomie au niveau du statut. On va parler recettes fiscales à présent. Près de 2/3 du budget polynésien repose donc sur des taxes. Est-ce que ça veut bien dire que l'activité économique du pays est faible ? Est-ce que la Polynésie ne s'est pas habituée à être subventionnée, finalement, Gaston Tantson ? Le sens de l'autonomie du pays, effectivement, cette autonomie donne des compétences propres. Effectivement, ça n'a de sens si nous pouvons exercer de manière autonome ces compétences. Or, s'il faut effectivement l'aide de l'État pour nous accompagner dans un premier temps, il faut, à un moment donné, dire à l'État, ça y est, nous pouvons effectivement exercer ces compétences nous-mêmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas en demander trop. Et certains veulent déjà un pays associé, bon, contre lequel nous sommes totalement opposés, alors que nous ne sommes pas capables d'assumer notre autonomie aujourd'hui. Effectivement, c'est une évolution normale que le pays, par la maîtrise des finances publiques, par la recherche des investissements qui rapportent de l'argent, dans le tourisme en particulier, il faut effectivement faire générer de ces activités des recettes nouvelles pour assumer nos compétences. Pourquoi vous êtes contre le pays associé, Nui Haoloré ? Déjà, je ne sais pas ce que c'est. À ma connaissance, ça n'existe pas dans la Constitution. Donc, je ne peux pas être en 2013, pour ou contre, en courant en même temps que nous aux élections territoriales. Si je vous avez la mémoire courte, monsieur le vice-président. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est pour moi un ovni constitutionnel. Madame Sandra Lévy-Agami nous parle de la campagne de 2012-2013 et il se trouve que c'est moi qui ai rédigé le programme avec un certain nombre de personnes qui m'ont accompagné dans cette tâche et en aucun cas il n'avait été question d'évolution statutaire et encore moins d'évolution vers un État associé. Et je peux le dire puisque j'étais l'un des rédacteurs de ce programme du Tahoeraa 2013. Et on ne donc peut il y a que eu le un changement. Puisqu'il a quitté il y a le eu un changement. Il y a eu un changement, effectivement, dans la position, non pas du Tahoeraa, mais de Gaston Flosse. Parce que c'est Gaston Flosse qui décide si on va là ou là. Tahoeraa, il suit. Et donc, ce changement, il est lié probablement aussi à la situation politique qui existe depuis septembre 2014. C'est aussi simple que ça. Et c'est possible c'est d'aller vers le pays associé, je trouve que c'est Sandra Lévy-Agami ? Je trouve que cette analyse est particulièrement simpliste et que, apparemment, certaines personnes doivent être frappées de certaines maladies qui, pourtant, touchent les personnes âgées habituellement quand elles perdent la mémoire. Je rappelle quand même que l'alinéa 4 du statut d'autonomie rappelle que la République garantit l'autonomie de la Polynésie française. Elle favorise l'évolution de cette autonomie. Après, que ça s'appelle pays associé ou un autre terme, ou renforcement de l'autonomie au sein de la République, peu importe la façon dont c'est nommé, c'est prévu. Si M. Lauré avait un peu de connaissance du statut d'autonomie, je trouve quand même que les ministres et ceux qui président la destinée de la Polynésie française devraient quand même avoir un minimum d'informations sur le statut qui dirige nos institutions. Il est prévu depuis 1984 que cette évolution de ce statut d'autonomie. Donc il faut arrêter. J'ai entendu dernièrement également Tevaro Fritsch dire qu'on avait sorti ça de notre chapeau. C'est quelque chose qui est prévu. Dans le statut, il est prévu qu'on aille vers une évolution du statut. Mais encore une fois, une évolution du statut, pas pour faire plaisir à une personne, c'est pour garantir un meilleur développement économique aux Polynésiens, au service des Polynésiens pour créer de l'emploi durable. Emploi durable qu'aujourd'hui, le gouvernement est incapable de créer. On l'a entendu lors de la session budgétaire, de l'ouverture de la session budgétaire. Le président lui-même, Édouard Fritsch, a déclaré que malgré les chiffres qu'il peut aujourd'hui exposer face au public, il est incapable, son gouvernement est incapable de créer de l'emploi durable. Les chiffres, l'emploi les durable, chiffres c'est de quoi l'emploi c'est sont que en demain, pour la première fois moi, depuis 2009. Moi, je n'ai pas d'emploi. Demain, je trouve un emploi qui va me permettre d'avoir un CDI, qui va me permettre de pouvoir envisager un avenir avec, pourquoi pas, la construction d'une maison, pourquoi pas l'achat d'un lopin de terre et de me projeter
projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, on a un gouvernement, et c'est pour ça qu'au niveau du Tahuir-A, ça nous révolte, on a un gouvernement qui ne fait que de l'économie à court terme. Alors, ils ont de la chance, on a bien travaillé entre 2013 et 2014, et sous l'impulsion du président qu'on a eu, c'est vrai qu'à l'époque, ils travaillaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Résultat des courses, les caisses sont pleines, ils font de la distribution d'aide publique, tant mieux, mais au-delà de ça, vous voyez, je suis venue avec le DOB, document d'orientation budgétaire. Rien n'est fait. C'est le but. Gaston Tanson, non, mais je voulais juste finir sur ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a rien sur les grands projets, il n'y a rien sur l'emploi durable. Pour dire que le gouvernement travaille à court terme? Non, pas du tout. Franchement, on ne peut pas être d'accord. J'ai l'impression que on ne va pas continuer cette émission dans ce cadre-là. Je pense qu'on n'aura rien de constructif. Je pense qu'en parlant moins du passé et plus de l'avenir, je crois qu'on est là pour la construction de la Polynésie française. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et au contraire, le gouvernement pose les bases d'un développement dans la durée. Et la stabilité est là. C'est ça qui est important. Et la confiance est revenue. Il faut quand même accepter ça, même si on aurait aimé développer plus d'emplois encore que prévu. Et là encore, il faut faire attention aux mots. L'emploi durable, j'aimerais bien qu'on me définisse ce que c'est l'emploi durable. Demandez à votre président, il a dit qu'il était incapable. Je demande à Sandra de venir faire un petit tour à Bourbon. Je crois qu'il pourra trouver quelques emplois durables quand même dans cette île. Effectivement, c'est quoi l'emploi durable? C'est mettre en base des éléments nécessaires pour une construction économique dans le temps. Et j'allais dire, voilà, donc s'il n'y a pas d'eau potable, eh ben, ce n'est pas la peine de parler d'emploi durable. Il faut donner les moyens aux communes. Et le président a très clairement affiché sa politique vis-à-vis à l'égard des communes. Et Dieu sait que toutes les communes sont servies actuellement par ce gouvernement, quelle que soit son étiquette politique. Nui Haolore, il y a un autre signe positif, c'est que la dette polynésienne a diminué sous votre mandat. Elle est passée de 93 à 89 milliards. Le PIB donc du pays est en hausse. Ces chiffres, tout le monde les a. Ceux de l'emploi aussi, une légère hausse, mais c'est la première fois depuis 2009. Est-ce que vous croyez au redémarrage de l'économie et est-ce que la Polynésie prend le bon virage? L'économie a déjà redémarré. Et c'est pas moi qui le dis, c'est tous les instituts, c'est l'Institut d'émission d'outre-mer, c'est l'ISPF. Vous dites, tout le monde a ses chiffres. Manifestement, non. C'est ce qu'on vient d'entendre. Vous m'avez posé une question intéressante. Elle parlait d'emploi durable, Sandra. Vous m'avez posé une question intéressante tout à l'heure. Pourquoi vous ne communiquez plus? Je ne communique plus parce que ce type de débat stérile et de polémique ne m'intéresse plus. Est-ce que ça veut dire que quand on n'est pas d'accord avec vous, c'est forcément stérile? C'est forcément stérile parce qu'il est un espèce de... Je laisse parler les gens. On me coupe la parole. La réalité des choses. Je m'excuse. Elle parle en même temps. Excusez-moi de vous avoir vexé. C'est ça que je supporte plus. Allez-y, on vous écoute. Si vous me posez une question sérieuse, parce que je pensais venir participer à un débat sérieux sur le redressement de l'économie polynésienne. Elle est patente, elle est connue de tous. Est-ce que la situation est idéale? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut continuer cette action. Il faut continuer tout ce qui est mis en place en matière de logement social, en matière de redressement de notre PSG, en matière d'activité économique. Le projet Mahana Beach, qui n'a pas vu le jour, a été repris par le vice-président, qui a souhaité y associer beaucoup plus d'investisseurs privés locaux. Des projets hôteliers sont en cours d'études. Donc il y a tout un travail qui est mené par le gouvernement, par tous les acteurs économiques du pays, et on essaye de soutenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous a conduit à cette situation économique et sociale catastrophique, ça a été l'instabilité. Cette instabilité politique qu'a dû supporter Gaston Tongson, qui avait gagné les élections à l'époque et qui n'a pas pu diriger. Et c'est cette situation où on a eu quasiment pendant 10 ans 9 gouvernements qui nous a conduit à cette situation catastrophique. Depuis 4 ans, tous les clignotants se mettent à repasser au vert. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Non. À l'époque, nous avions proposé un programme qui s'appelait Tahiti Nui 2025, qui devait s'étendre sur 2 mandatures. Et donc, nous avons réalisé ce que nous avions prévu de réaliser sur cette première partie, sauf sur une partie concernant les projets économiques. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris en charge ces gros dossiers de développement et d'investissement privé. Et on souhaite que la stabilité reste encore
pour les 5 prochaines années. Forcément, il ne peut pas y avoir d'économie qui décolle sans projet. Exit le Mahana Beach, voici le village tahitien. Rien à voir, on change de taille et de site, puisque le village tahitien doit être construit à Utumaoro, et plus devant l'ex-Maeva Beach, à l'ouverture de la séance administrative du mois d'avril. Édouard Fritsch a parlé d'un grand projet d'infrastructure touristique avec plusieurs hôtels de 3 à 5 étoiles. Il serait financé par des investisseurs américains. D'abord, est-ce que vous êtes conscient, Nouri Haoloré, Sandra Lévy-Agami et Gaston Tansan, que plus personne n'y croit vraiment à ces projets aujourd'hui? Moi, je dis que c'est affligeant ce qui se passe. Je comprends effectivement. Sandra, c'est affligeant ce qui se passe. Je pensais que c'était à moi qu'on avait posé la question. Relativement ancien. C'est vrai que le président Gaston Flos l'avait initié. J'ai participé au jury de concours et ce jury a sélectionné un cabinet d'architectes. Moi, j'étais le seul dans ce jury à avoir sélectionné un groupe chinois qui avait les capacités financières, l'expertise et la capacité de mettre en œuvre ce projet. J'étais le seul dans l'ensemble de ce jury. Et finalement, ce qu'il est advenu, c'est ce qu'on avait prévu, effectivement, c'est qu'un cabinet d'architectes ne peut pas porter un projet de développement touristique de cette taille. Est-ce que vous savez que 2 milliards ont été dépensés pour les études de l'ex-projet Mahana Beach? C'est dans le dernier rapport de la CTC, c'est un énorme gâchis. C'est un gâchis, effectivement, parce que le projet tel qu'il avait été initié au départ 2 milliards, n'était pas susceptible de réussir. Là, je suis interloquée Sandra, parce que j'entends, parce que c'est quand même sur la base, M. Loré vient de se gausser d'avoir rédigé le programme 2013-2025 pour le compte du Tahoeir Ahuratira. L'angle le plus stable, on va dire, de ce programme, l'angle d'attaque de ce programme, c'était bien de procéder à ces grands travaux. Il a participé à toute notre campagne en expliquant face au public que c'était la solution, qu'il fallait absolument créer de l'emploi durable à travers ces grands travaux. Et en l'espace de 2 ans, il a eu des déclarations que j'ai pas comprises. En 2015, il déclarait encore, on doit concrétiser sur votre plateau les 2 grands projets Mahana Beach et la ferme aquacole. C'est en permettant que les grands projets voient le jour que nous allons stimuler l'activité économique et créer de l'emploi. C'est toujours le cas. 2017, il nous dit que c'est une mauvaise solution de s'appuyer sur de grands projets. Et ça, c'était au mois de janvier. Donc s'il y a une instabilité, je pense qu'elle est dans les déclarations de l'ancien vice-président. C'est une nécessité. Et ce que je trouve regrettable, c'est que quand vous avez repris les rênes, alors qu'on a, nous, les 38 Tahoeira, on avait voté pour le nouveau président, il était question que le nouveau président poursuive l'action qui avait été menée par la précédente mandature de Gaston Flos. On nous a expliqué qu'il n'avait pas les dossiers alors qu'ils ont été remis directement aux principaux intéressés. On nous a expliqué qu'ils ne trouvaient pas d'investisseurs alors qu'il suffisait juste à ce moment-là de prendre leur téléphone et d'appeler la personne avec qui ils avaient travaillé et qui avait piloté le dossier. Donc, selon vous, on aurait mais je pense que c'est plutôt un problème d'orgueil qu'autre chose. Excusez-moi, mais à un moment donné, on parle de l'intérêt des Polynésiens. Tout à l'heure, M. Tangsong mettait en cause mon investissement et mes convictions par rapport à l'intérêt des Polynésiens. À un moment, l'intérêt des Polynésiens, c'est qu'on puisse s'effacer et au-delà des clivages de certains et des rancœurs qu'il peut y avoir ou des histoires entre aller les uns et les autres, pour aller de l'avant général. Et je suis certaine et Gaston Flos et l'équipe d'ailleurs qui a travaillé sur ce dossier l'avait confirmé, ils étaient tout à fait d'accord pour travailler avec le nouveau gouvernement sur ce dossier et poursuivre cette action pour laquelle Gaston nous Tansan, avons été élus en 2013. Gaston Tansan, les experts de la Caisse des dépôts et consignations que le vice-président Tevaro Fritsch a rencontré au mois de juin dernier trouvent le projet du village tahitien plus réaliste. Et vous? Oui, exactement pareil. Effectivement, moi je pense qu'il faut... La Polynésie a besoin de gros projets d'investissement, mais c'est un problème de cadence et de moyens. Il ne faut pas non plus effectivement livrer à la Polynésie française des chantiers pour lesquels même il n'y aurait pas assez de main-d'œuvre polynésienne pour travailler sur ces chantiers. On aurait été obligé d'importer de la main-d'œuvre. C'est un danger réel. Et le gouvernement, pour ne pas dire le président Édouard Fritsch, a eu raison. Et ce n'est pas de sa faute parce que celui qui a été choisi était défaillant. N'ont même pas été capables de déposer sa caution. Choisi par vous. Non. Vous avez refait la procédure. Un comité qui a été mis en place avant même l'arrivée du président. Donc, le choix s'imposait naturellement. Je crois que cette nouvelle dimension du projet va tout à fait dans le bon sens. Aujourd'hui, en portefeuille, permis de construire à Bourbon, nous avons 7 milliards de travaux.
qui sont programmés d'ici 2-3 ans. Voilà, c'est du réaliste. C'est du réel. On ne va pas faire rêver les gens avec des projets qui n'arrivent pas. Pour revenir dans la réalité, pour porter une économie, Nui Haoloré, il y a les grands projets, les grands chantiers, les exportations de produits propres, entre autres. Est-ce que vous croyez à l'opportunité économique de ce que l'on appelle les terres rares, ces fameux métaux que l'on utilise pour fabriquer des objets de haute technologie et qui seraient enfouis dans les eaux polynésiennes? Une étude de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui a été réalisée cette année, a conclu que les terres rares n'étaient pas présentes en quantité suffisante en Polynésie pour représenter un intérêt économique. Le cobalt et le manganèse seraient entre 800 et 4000 mètres de profondeur dans le nord-est et le sud-est des Tuamotu. Est-ce que c'est une voie à explorer, selon vous? Et si oui, avec quels moyens? Je ne suis pas spécialiste de ce domaine. Je ne suis pas géologue et je n'ai aucune connaissance spécifique. Par contre, je sais que l'étude qui a été menée par l'IRD est une étude exhaustive. Qu'il faille examiner ce secteur d'activité, ce domaine, comme potentiel pour le futur, oui, effectivement, il faut le suivre, mais je pense qu'aucun pays n'est en phase d'exploitation, j'allais dire, industrielle de ces terres rares, enfin, en milieu vous océanique. Vous croyez aux terres rares, Sandra Livia-Gamy? Alors, il faut savoir qu'en 2013, quand on est revenu, il y a une mission qui est partie à Paris et qui a été accompagnée d'ailleurs par le président de l'époque. Et un accord avait été signé avec le BRGM. Mais au-delà des terres rares, parce que bon, là, on est à horizon plus 30 ans, l'intérêt, quand j'entends M. Tang Song nous dire que Mahana Beach, ça n'avait aucun intérêt, l'intérêt, c'était quoi? C'était de créer en masse de l'emploi pour justement faire en sorte qu'on ait plus de cotisants à la CPS pour réduire ce déficit qu'on a au niveau de ces alors là, cotisants. Alors là, Sandra Livia-Gamy, vous reparlez du Manabis. Non, mais je voulais juste finir sur on ça, bien compris, en disant qu'à un moment on donné, quand on a plus de personnes qui cotisent à la CPS, eh ben, on a moins de problèmes sociaux à gérer. On a moins de problèmes d'emploi précaires. On va passer au deuxième alors, thème. Alors, sur les terres rares, encore une fois, puisque vous... Un dernier mot, s'il vous plaît. Si vous me laissez un peu parler. Vous dire que c'est quelque chose qui avait déjà été envisagé par le précédent gouvernement, qu'encore une fois, le gouvernement, et nous, on s'en réjouit, hein, pour certains dossiers, reprennent le flambeau. Et on les motive, d'ailleurs, et on sera positif au niveau de notre positionnement à l'Assemblée sur ce type de problématiques. Mais voilà, vous dire que toutes les possibilités de développement économique qui vont créer de l'emploi trouveront le soutien du Tarawera Huiratira et le soutien de notre équipe à l'Assemblée. Par contre, on regrette qu'aujourd'hui, il y ait une volte-face qu'on peut constater encore ce soir par rapport au grand projet qui était initié pour Mahana Beach. On va passer au deuxième débat, Sandra Lévy-Agamy. Le deuxième débat, électricité, monopole ou énergie verte. On va démarrer, si vous le voulez bien, avec cette image de vous, Nui Haoloré. On est en 2009 et vous dédicacez votre ouvrage intitulé « Énergie renouvelable » dans lequel vous écrivez qu'il ne se passe rien en matière d'énergie naturelle alors que partout ailleurs les énergies vertes émergent. À l'époque en tout cas, personne n'aurait pu vous soupçonner d'être l'allié de DT. Est-ce que vous pensez toujours la même chose? Non, aujourd'hui ça a évolué quand même. Ah ben ça a bien évolué. Ça a bien évolué. On a mis en place un plan de transition énergétique, comme je l'ai indiqué, avec 3 grands axes, avec une 50aine de mesures. Et j'en veux pour preuve la montée en charge du photovoltaïque depuis 2010 à peu près, qui s'est accélérée en 2012-2013. C'est vrai que le prix des panneaux a baissé depuis. Dans un certain nombre de domaines, j'ai cité le cas des droits et des taxes sur les véhicules hybrides, les véhicules électriques. Tout cela a permis de relancer ce secteur en Polynésie. Et les concessionnaires eux-mêmes, qui n'y croyaient pas tellement lorsque nous avions proposé ces mesures, finalement se rendent compte que ce segment de véhicules a le vent en poupe en Polynésie. Par contre, il y a un domaine dans lequel on n'a pas beaucoup avancé toujours, et c'est ce que je disais dans cet ouvrage, c'est l'hydroélectricité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'hydroélectricité nous permet d'atteindre aujourd'hui 30% de production d'énergie renouvelable sur l'ensemble de notre mix énergétique, et ce niveau n'a pas bougé depuis plus de 20 ans.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à l'État de nous accompagner au travers du fonds exceptionnel d'investissement pour le développement de du projet de la Veïcha spécifiquement. C'est un projet assez ancien qui avait été déjà présenté devant la commission des forces hydrauliques. C'est un projet qui essaye de prendre en compte toutes les contraintes environnementales et c'est un projet qui avait obtenu un prix à l'époque de développement vert. Nous, Haloré, on produit près de 40% d'énergie renouvelable en Polynésie française, c'est deux fois plus qu'en France. Quelle position le pays doit-il adopter face à EDT? Quelle est la position du Tarhuera à ce sujet, EDT, énergie renouvelable? Déjà, l'atout qu'a la Polynésie française, c'est 5 millions de kilomètres carrés de surface maritime avec un ensoleillement quasi total durant toute l'année. Donc on a déjà cet atout. Et j'ai eu l'occasion de parcourir le livre de Nui Haloré, qui est plutôt bien rédigé, même s'il date un peu, mais qui pose les problématiques. Et donc je sais reconnaître vos capacités, Monsieur Loré, quand c'est le cas, et je tiens à le souligner. Ceci étant dit, quelle est la position du Tarhuera par rapport à l'EDT? Nous souhaitons un tarif juste, un juste prix pour une juste prestation. Or, quand bien même il y a eu des efforts de fait ces dernières années, on a encore 10% de baisse l'an dernier. Oui, 8% de baisse l'an dernier, mais si vous reprenez votre facture d'électricité, Madame Natacha Szilagyi, vous verrez que même si la facture a baissé, alors sur le kilowattheure, c'est vrai qu'on est passé de 30,36 francs du kilowattheure pour la tranche A à 22,55 francs. Donc c'est plutôt positif. Mais parallèlement, on a quand même la prime d'abonnement qui, elle, a augmenté de 138 francs. Alors vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas très important. Sauf que rapporté à 86 200 abonnés, ça fait quand même sur 12 mois plus de 140 millions nets donnés à EDT juste par rapport à l'abonnement. Alors Monsieur le Noé Haloré va me dire, oui, mais c'est EDT qui décide comment il facture son abonnement, mais à un moment donné... Enfin, si Noé Haloré peut s'exprimer, il peut donc, bien le faire. Voilà. La facture d'avance sur consommation a été divisée de l'autre côté par deux. Gaston Tansang, Bora Bora est un modèle en matière d'énergie renouvelable avec le système de climatisation en eau profonde, soit l'osmoseur dernière génération qui fonctionne avec le solaire, le traitement des eaux usées qui permet ensuite à l'eau d'être réutilisée pour arroser les pelouses des hôtels, et j'en oublie. Est-ce que vous pensez que les objectifs du président Édouard Fritch sont réalisables? Peut-on produire 50% d'électricité avec de l'énergie naturelle d'ici 2020? C'est demain, 2020. Je dirais tout de suite oui, mais avant de développer mon avis, je suis venu ce soir avec un document rédigé par une association totalement neutre du Pacifique qui étudie le niveau de prix des énergies dans le Pacifique et financé par la Banque mondiale. Alors, il n'y a pas plus objectif que dans ça. Et souvent, on parle d'électricité chère. Nous sommes en électricité le moins chère du Pacifique, en deuxième position. Alors, c'est quand même extraordinaire quand on dit l'électricité chère. Mais l'objectif, effectivement, de maîtriser le coût... À Wallis et Futuna, c'est plus cher qu'en Polynésie. À Wallis et Futuna, les îles Cook sont en 18e position. Il y a 20 pays qui ont été étudiés. Et la Nouvelle-Calédonie en 10e position, plus chère que nous. Voilà. Donc, je pense qu'il faut placer les choses dans le bon contexte. Donc, vous dites que l'électricité n'est pas chère en Polynésie. C'est une prouesse, d'ailleurs, de pouvoir vendre l'électricité à ce niveau-là. Selon le dernier rapport, l'électricité n'est pas si chère que cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'ai ce rapport qui a été rendu par l'Agence Pacific Power. Le taux de rendement de la société. Oui, on en a parlé longuement dans nos journaux, d'ailleurs. On est bien d'accord. Je peux quand même dire. Allez-y, monsieur. Voilà. Tout ce qui est des énergies renouvelables, je pense effectivement, c'est une voie qu'il faut explorer, mais pour l'instant, les énergies renouvelables restent encore très très chères au niveau de coûts d'exploitation, d'investissement, tout ça. Il ne faut pas penser qu'avec les énergies renouvelables, demain matin, les prix vont baisser. Il faut dire la vérité à nos usagers, parce que certains font croire qu'effectivement, avec les énergies renouvelables, ça va baisser. Et c'est dommage qu'on n'a pas maintenu le prix de vente des kilowattheures des panneaux solaires à 45 francs, comme on l'avait décidé à l'époque. Certains ont baissé à 10 francs.
et ça a tué les panneaux solaires. Je vais donner mon point de vue peut-être dernière sur ça. Dernière intervention, vous conclurez, Nouihab. Allez-y, Sandra Lévy-Hagen. Bon, ce que nous demandons au niveau du Tahrir Ahrir Attila, c'est qu'il y ait un juste prix et que par rapport à ce calcul, au calcul de ce prix, on ait tous les éléments. Quand j'entends M. Pérez qui passe juste avant nous au journal télévisé qui nous indique que son cheval de bataille, c'est de faire en sorte qu'on baisse le prix de l'électricité en Polynésie parce que l'électricité est bien trop chère. Je me rappelle quand même qu'une commission a été créée, qu'il a présidée et pour laquelle, au final, il y a eu des conclusions simples. Il n'y a pas de problème en Polynésie. EDT peut continuer ainsi. Donc, à un moment donné, il faut quand même se rappeler qu'on est tous enregistrés quand on intervient et que quand il y a des volte-face, et bien, au bout d'un moment, ça commence à se voir. Nous, Laure, ce sera le mot de la fin pour le débat. Est-ce qu'on peut réellement imaginer qu'un projet de l'envergure de l'énergie thermique des mers se fasse un jour en Polynésie française? L'usine pourrait produire 30% de l'électricité locale, rien qu'avec la différence de température, vous le savez, entre l'eau des profondeurs et l'eau de surface. Le projet est annoncé pour 2023, son coût 30 milliards. Est-ce qu'un projet comme celui-là pourra un jour se réaliser étant réaliste ici? En étant réaliste, à l'heure actuelle, aucune usine de production d'énergie électrique de ce type existe dans le monde. Pour revenir sur la question qui était évoquée, à savoir le prix de l'électricité, même si nous ne payons pas l'électricité la plus chère du Pacifique, d'autres collectivités payent plus cher que nous, on a toujours le sentiment qu'on paye trop cher. Et donc c'est la raison pour laquelle, sur ces sujets complexes, comme je le disais, la concession EDT, elle existe depuis 1960, nous avons choisi de travailler, de négocier, de discuter avec EDT pendant 2 ans. Et au terme de ces discussions, nous avons changé la formule tarifaire, nous sommes arrivés à une formule tarifaire plus transparente, dans laquelle, en plus, chaque année, un auditeur extérieur indépendant vient analyser l'ensemble des charges dans l'objectif de faire baisser encore ce prix de l'électricité qui, comme vous l'avez dit vous-même, a baissé de 10% l'année dernière. Donc, est-ce que c'est suffisant? Non. Il faut continuer à développer les énergies renouvelables, même si, comme le disait Gaston Tong-Song, parfois c'est plus cher. Et il citait le prix de rachat de 45 francs qui avait été mis en place en 2009. Ceci dit, entre-temps, le prix des panneaux a baissé considérablement, ce qui a permis au pays de baisser aussi ce tarif de rachat, puisque ce sont les usagers qui payent finalement ce rachat de la facture. Et récemment, j'ai vu que le ministre de l'Énergie avait mis en place une aide pour aider les particuliers à s'équiper de panneaux photovoltaïques, parce qu'on parle de la baisse du prix de l'électricité, mais au travers d'investissements particuliers de ce type, vous avez la possibilité de faire baisser votre facture d'électricité de 30 à 50%. C'est ça l'objectif qui est visé par le gouvernement aujourd'hui. C'est ça l'objectif pour les années qui viennent. On a dépassé l'heure, c'est terminé pour les débats. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je vais remercier tout particulièrement les deux invités surprises qui ont accepté de débattre avec nous sur ce plateau ce soir, Sandra Lévy-Hagami et Gaston Tong-Song. Merci, c'est l'heure maintenant de l'interview des 5 dernières minutes. Nouihab Laure, vous avez 52 ans, vous êtes mariée et vous avez une fille de 19 ans. Vous diriez plutôt que vous êtes un bon mari, un bon père ou les deux? Un bon père de famille, en fait j'essaye. J'ai une fille de 19 ans qui fait ses études aux États-Unis, c'est son choix. J'ai essayé de l'accompagner comme tous les parents, en essayant de ne pas prendre les décisions à sa place, et c'est toujours compliqué. Voilà. Vous avez grandi ici en Polynésie avant de partir faire vos études en France, bac C à Gauguin, doc de maths physique et maîtrise d'informatique et de gestion des entreprises à Nice. Vous décrochez ensuite un diplôme d'études supérieures bancaires et financières. Pourquoi le secteur bancaire? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces métiers-là? J'ai toujours aimé les chiffres. Et donc j'ai fait des études scientifiques. J'ai fait de l'informatique, je suis sorti, j'ai commencé à travailler dans une banque et j'avais la possibilité de poursuivre dans le domaine financier, c'est ce que j'ai fait. Et tout ça m'a amené à exercer des fonctions diverses et variées dans plusieurs établissements privés ou publics. Et voilà. Alors contrairement à vous, votre fille Théa étudie l'informatique aux États-Unis, vous l'avez dit, en Californie. Elle est, j'imagine, comme tous les jeunes de sa génération, très connectée. Vous n'êtes pas fan des réseaux sociaux, on l'a compris déjà tout à l'heure. Vous regrettez qu'ils aient été détournés de leur première mission qui était de rapprocher. Comment définiriez-vous les réseaux sociaux aujourd'hui?
C'est une avancée technologique, ça c'est clair. Et il y a beaucoup de manières très positives d'utiliser les réseaux sociaux. Par contre, quand on voit la manière dont certains l'utilisent, notamment dans le domaine de la politique, ça donne pas tellement envie d'être présent. Vous avez été vous-même victime d'attaques sur Facebook ? J'ai été victime d'attaques, c'est la raison pour laquelle j'ai porté plainte en diffamation et j'ai gagné en instance et en appel. Vous aimez la photographie depuis l'âge de 7 ans. Vous avez appris à développer vos photos dès l'âge de 15 ans. On se fait une idée de ce que vous faites. Et on en parle juste après, on regarde. When the little bluebird was never said a word starts to sing spring, spring. And the little bluebell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When a little blue clock in the middle of the park sings a tune to the moon up above. It is nature, that's all, simply telling us to fall in love. And that's why chinks do it, Japs do it. Alors qu'est-ce que vous aimez à travers la photographie? Vous aimez aussi le jazz et notamment Cole Porter, hein, celui qu'on entend chanter sur vos photos. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à travers l'image? J'étais attiré par la photo depuis très jeune. Là, c'est des photos assez récentes. Hein. Vous m'avez pris au dépourvu, donc j'ai essayé de trouver dans mon disque dur quelques photos. Mais j'ai surtout un oncle qui m'avait donné, à 15 ans, tout le matériel pour développer les photos, parce qu'à l'époque, ça se développait. Hein. Ça fait un peu dinosaure maintenant, mais j'appréciais beaucoup le fait que l'image apparaisse et surtout le fait de construire une image sans possibilité de la modifier en cours de route, ce qui est le cas maintenant. Vous êtes un nostalgique? Manifestement, un peu, je pense. Vous êtes aussi demi-tahitien, ça veut dire quoi, être demi-tahitien pour vous? D'être issu d'un métissage. Je pense qu'on est tous un peu métis ici, aujourd'hui. Donc, j'ai une partie de ma famille qui est née en Polynésie, une autre partie qui est née en métropole, en Angleterre. J'ai des ancêtres qui sont estoles, qui sont un peu de partout. Très bien, c'est maintenant l'heure de découvrir votre vision de la politique. C'est l'autre tradition de cette émission. Je vous ai demandé de définir la politique en quelques mots. Je vais lire aux téléspectateurs ce que vous avez écrit sur votre vision de la politique. Il n'y a pas d'action publique efficace sans l'action individuelle de tous. Celui qui attend tout du gouvernement est ainsi condamné à la déception et à l'échec. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, de vous être dévoilé ce soir. Vous comptez maintenant parmi les personnalités politiques qui ont fait sans tabou. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir suivi et participé à l'émission. Merci à toutes les équipes qui l'ont préparé. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Sans Tabou. Bonsoir.